Yo, salut à tous tout le monde, c'est le type dans la vidéo. Aujourd'hui, on va faire une chose qu'on n'a pas encore fait ensemble sur ma chaîne, une tarte aux trois pommes. Pour ça, c'est simple, il vous faut donc une tarte et trois pommes. Enfin, on peut faire avec plusieurs pâtes différentes. Il y avait la pâte sablée, mais je me suis dit que j'avais pas quand même envie de bouffer du sable parce que c'est un dessert, donc il faut que les gens aiment quand même. Donc on va faire une pâte brisée. Pour ça, il vous faut 250 g de farine, la moitié d'une plaquette de beurre, on met le jaune d'œuf, on obtient une boule. Ensuite, ils disent qu'il faut réserver, mais ils ne donnent pas le numéro, donc je pense que c'est pas vraiment indispensable. Alors, on fait préchauffer le four, on met la pâte dans le moule, ensuite on va disposer les pommes sur la compote, donc il faut de la compote. Ah, merde. Bon, alors j'ai plus que de la compote d'abricot. Puis, vous prenez la pomme, et c'est des poires. Ben, on va éplucher les poires, et puis on enfourne pendant... On attend que ça cuise. Et vous sortez du four ce magnifique gâteau au chocolat. Ah bon? Bon, la pâte se brise en mille morceaux là, donc c'est parce que je pense qu'on a réussi, parce qu'on fait une pâte brisée.